Hey, salut tout le monde et bienvenue pour du LPOD. Bonjour tout le monde et bienvenue. Alors, il s'est passé pas mal de choses, notamment beaucoup de construction. Oui, pour une fois, je fais de la construction. Oui, ça m'arrive, hein. Mais bon, voilà. Il s'avère que, en fait, la zone où je voulais transposer tout mon Tankra, bah, c'est un peu de la merde. Voilà, faut dire ce qui est, c'est petit. Alors c'est normal si je vous montre pas. Bah là je vous montre, mais oh bizarrement il n'y a plus rien. Oui, c'est tout à fait normal. Pourquoi? C'est tout simplement, bah comme la salle est trop petite, je n'aurais pas eu. Comment? Comment ça? Je n'aurais pas eu la place nécessaire afin de pouvoir tout transposer ici. Donc du coup, il s'est avéré que bah, j'avais besoin de place. Et je l'ai posé un petit... Ah bien, je suis en chute ici. Ah, parce que je suis en mode créa aussi, donc. Donc ça, c'est chiant. Voilà, tout simplement. J'étais en train de faire un petit OK, c'est pas très grave. Ouais, donc du coup, il me manque de la place. Donc, tout simplement, c'est que la salle a complètement changé, hein, vous allez voir. On s'est mis durant le dernier épisode et plus aujourd'hui. Ça fait 3-4 jours que je suis pleinement dessus. Voilà, j'ai assez bossé, j'espère que la salle va vous plaire en tout cas. Beaucoup sur Twitter ont dit qu'elle a été superbe. Donc, plus qu'à voir en vidéo. Alors, normalement, j'ai tout scanné ici. Soil, ouais. Botany. Donc voilà. Du coup, la salle, je vais vous la montrer du coup. Parce que c'est quand même beau. Juste avant, on va faire ici. Alors ici, il y aura d'autres salles. Et au fond, il va y avoir le système pour Galacticraft qui est lancement de fusée. Voilà. Donc, ce côté-là, ça va être super sympa. Maintenant, la salle Tomcraft. Oh là là, c'est tout petit. Oh. Ah, déjà, on entend les whips. Parce que oui, j'ai mis un spawner à whips. Allô, oui? Genre, on n'arrive plus à descendre. Hein? Ah, bah oui. Oui, tout simplement normal du fait que j'ai mis les escaliers en dessous et il n'y a plus d'élévateur. Très bien. Alors, j'ai mis un QED, tout simplement, c'est que j'avais besoin. Bien sûr, si je la retrouve. Voilà. J'avais besoin de Magnum Torch. Pourquoi? Parce que c'est le Magnum Torch. C'est sur du 64 blocs. Pas de rayon ou l'autre. Enfin bref, le double rayon. Je ne sais plus comment c'est le rayon. Le diamètre, voilà. Et hop. Du coup, ça m'a permis de faire ça, de faire anti-pop de mob sur 64 blocs dans son diamètre total. Donc ça veut dire 32 de rayon tout autour de lui. Et du coup, bah, ça permet que même s'il fait noir, alors on s'en fout. Il va y avoir quand même le taux de spawn K zéro. Voilà, même s'il fait noir. Alors, je suis en train de regarder des petits trucs. Vite fait, rapidos. Ouais, normalement, j'ai tout. Est-ce que ça, je les ai scannés? Ouais, je les ai scannés, c'est pas possible. Bon, alors, du coup. La petite salle, voilà, la grande salle. Donc, il y a du computer parce qu'on va faire du computer craft. Il s'avère que juste le programme qui m'a été donné et que j'ai cherché d'ailleurs, il fait, je crois, environ 2400 lignes de code. C'est un truc monstrueux. Lui, il fonctionne qu'avec des manabines. Et oui, les manabines, en fait, ce qui est. Bien avec les manamines, c'est qu'il y a un seul aspect. Et moi, ce que je voulais faire, c'était avec que les éthérales essence. Malheureusement, j'ai un petit peu modifié quand même le programme, sauf qu'il ne reconnaît pas du tout les essences. Donc, du coup, il va falloir que je travaille qu'avec des manabines.
tant pis. D'ailleurs, cela, oui, cela c'est des trucs que j'ai trouvé dans le coffre. Ouais, Waffle Inclined. Ouais, je... ah, c'est vrai qu'on peut bouffer des manabines. Et en gagnant aussi des aspects quand on les bouffe. Voilà. Ça gagne des aspects de chacun. Du coup, bah, il travaillera que avec des manabines, hein. Donc ça travaille comme ça. Avec du RedNet qui ici est du Computer Craft, hein, donc naturellement. S'il n'y a plus de... comment? Si tous les manamines sont dans le coffre, sauf les trois dernières cases. Ce qui est très important, c'est que les trois dernières cases doivent être inoccupées. C'est rempli en manamines, alors le système va pouvoir envoyer des manamines dans la Chemical Furnace qui nous permettra de récupérer des essences via les golems et les envoyer dans des jars. Donc c'est pour ça. Par la même occasion, j'ai été là-bas chercher une pure, mais en même temps il y avait une ingrie à côté, ce que j'ai eu quand même pas mal du mal à trouver. Donc là-dedans, je me suis mis dans mon Undershaft perso. Il y a une ingrie fading, donc c'est une node qui bouffe tout ce qu'elle a autour d'elle. Donc c'est pour ça que j'ai eu de la chance après 5 ou 6 fois. C'est un goût 6 fois reprise, donc j'ai dû bouffer facilement 3-4 stacks de verre et de planches, tout confondu, pour la capturer. Il m'a fallu du temps, mais j'ai réussi. Par la même occasion, j'ai rechargé ma baguette, hein, c'est pour ça que je l'ai remise là. Donc. Ah, en plus, j'avais pas scanné, tiens, lol. Du coup, voilà. Hop, viens voir. Node Injar. Ouais, Node Injar, ça, en fait, ça récupère l'aspect qu'il y a dedans, l'aspect de la node. Et puis la Silverwood Sapling, voilà, que j'avais pas capturé. Donc du coup, celle-là, elle bouffe en fait tout ce qu'elle a autour d'elle. Elle va capturer des aspects petit à petit en fonction de ce que je lui emmène. En fait, je vais lui faire popper de la terre violette au-dessus d'elle, qui tombera dans un trou, et ce trou-là permettra justement qu'elle se nourrisse. Parce qu'elle bouffe vraiment tout, hein. Les items, les mobs, les joueurs, tout. En fait, tout ce qu'elle a autour d'elle, elle bouffe. Sauf l'obsidienne et la bedrock. Donc, c'est un bon moyen de capture. Par la même occasion, du coup, faudra la nourrir et on va pouvoir justement récupérer nos aspects pour recharger les plus grosses baguettes. Parce qu'on y reviendra, bien sûr. Alors, la salle en question. Voilà, la salle en question, elle est noire. Il faudrait peut-être que je refasse le plafond. 5 ou 6 fois, Kim m'a dit t'as oublié le plafond? Oui, je sais, je vais le faire, mais je l'ai jamais fait. Donc je vais aller... J'irai le faire plus tard, pas maintenant, mais j'irai le faire, ça c'est clair. Faut juste que j'y repense. Mais en tout cas, je le ferai. Donc voilà, on descend via les marches centrales. On descend, descend. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Hein? N'est-il pas? C'est quand même beau, hein. Alors bien sûr, les taux de spawn sont quand même assez grands. Ça éclaire beaucoup. Alors, je ne sais pas en fait si je vais le re-retirer du fait qu'il y a un Magnum Torch ou si je vais le laisser. Le laisser, ça fait plutôt bien, ça fait quand même casser le côté du mur là. Cependant, je trouve ça beau et joli. Hop, et en plus, on les voit sur les côtés, c'est quand même beau. On avance sur du tapis, hein, un tapis avec du marbre sur le côté, et on atteint la fameuse putain big salle de Tomcraft. Alors, bien sûr, dans la nouvelle mise à jour, en fait, il y a les escaliers en arcade qui se font en bois, ça, en bois là. Donc voilà. J'ai mis des proximity peripheral d'open block, ça nous permettra justement de remplir les jars en fonction des essences qu'on aura. Ici, bah, c'est pour mettre le computer par la suite. Donc, j'ai déjà mis quelques petites bottles. Hein. Ça, c'est l'herba, je crois. Ouais. Oui, c'est ça, c'est l'herba que j'ai mis. Non, c'est pas de l'herba, je crois pas. C'est quoi? C'est du terra, oui, forcément. L'herba, c'est là. C'est du terra parce que j'en ai beaucoup eu. Donc, du coup, voilà. Voici la grande salle Tomcraft. Avec toutes les jarres qui seront mises autour. Donc, il y en a 50.
Et le créateur en prévoit d'en mettre encore plus. Donc, ça va être très très chiant de tout mettre en place. Déjà 50 ici, c'est juste, hein. J'ai dû piquer sur les ceux-là, il doit y en avoir une dans le coin. Je verrai s'il faut pas que je casse justement des piliers sur les côtés ou au devant pour mettre toutes les jarres correctement parce que ça va être infernal quand même. Parce qu'il faut que j'en pète 4, 5. Là et là, donc ça voudrait dire 1, 2, 3, 4. J'en enlève une ici, ça fait 5, 6. Voilà. Ah, puis je remettrai une barre au milieu. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc voilà. Ça, c'est la salle. Et en dessous, il va y avoir toute la salle d'automatisation. Donc, hop, cobble ciselé au sol avec lava stone pour faire un beau joli et ça rentre de la lumière. Donc, tout ça va être rentré en compte. Tous les peripherals seront connectés via le computer. Je pense mettre plus le computer ici en fait. Je verrai en fonction d'eux si je le mets là. Il va y avoir du logistic pipe et du applied en même temps parce que j'ai trouvé justement un système qui permet de combiner les deux. Logistic pipe et computer, de les combiner et en même temps d'avoir une carte qui permet d'accéder très lointain dans le monde en envoyant tout ça dans un underchest et tralala pour tout récupérer. Donc c'est plutôt un bon point. Par la même occasion, une fois que ça c'est fait, bien sûr on va continuer nos recherches ensemble naturellement parce que je vais pas vous abandonner ça tout de suite. Il y a une chose qu'il fallait savoir, c'est concernant la baguette. Voilà. Il fallait décrocher en fait la Greatwood, il fallait la faire. Donc du coup j'ai fait celle autour également qui me permet justement de remplir des choses. Alors celle-là je vais pas la faire. Hop, celle-ci je la fais. Donc ça permet de stocker 175 vis principalement ici aussi, mais avec un coût de réduction par-dessus, hein, naturellement. Donc 175 vis c'est quand même pas rien. Et c'est pour ça que je vais les faire. Hein, Ah, il manque ceci. Donc du coup voilà. Ensuite il fallait faire la Silverwood. La Silverwood c'est la fameuse rod qui va permettre déjà de stocker 100 vis de base. Mais quand on rajoute ceci, on peut stocker jusqu'à 150 vis là-dedans. Et en n'ayant aucun coût dessus. Bien sûr, ça a un coût à chaque fois de la faire, donc il va falloir commencer par la petite, la gold ensuite et l'aptomium pour terminer parce qu'il faut un nombre d'aspects qui est prédéfini avec. Voilà. Et en plus, ça coûte 50% de moins à chaque fois. Et ensuite, la Magic Staff, celle-là stock 125 vis également, mais ça n'a aucun coût. Voilà, et ça coûte que 8 d'or double pour la faire. Pour 150, c'est quand même pas rien. Cependant, ça ne stocke que justement une vis normalement. Ça stocke justement une vis ou pas. Ça doit stocker tout en fait. Doit être moi. Mais pour la faire en fait, il faut une obsidienne rod. Voilà. Et il faut commencer par le craft juste antérieur qui est là pour le faire. Voilà. Bon, ceci étant dit. J'ai augmenté un petit peu ici également, j'ai fait le tamium avec vous. Celle-là, je vais pas la faire. J'ai avancé ici pour faire des nostabilizers, des advanced dodes, les wand piédestal. Donc il va falloir que je le fasse. Qui me permet justement de pouvoir justement recharger nos baguettes quand la note sera tout en haut. Hein, parce que la note, il faut pas que je la laisse à côté de moi. Et ça me permet justement d'avoir des vis sur moi, c'est-à-dire des rechargements sur moi. Ici, c'est simplement pour la mettre en charge aide, et là, je ne connais pas parce que c'est tout nouveau pour moi. En alchimie, j'ai ceci à débloquer. Ça permet de récupérer des cristaux quand des mobs meurent dedans. Donc ça, c'est plutôt important. J'ai fait les automatical alchimie construct, ce qui est très très bien. Ensuite, les void, ça c'est bon. Golemancie, j'ai rien fait là non plus. Ici, j'ai juste décroché ça et une petite partie ici, c'est tout. J'ai pas décroché ça en plus. Ça, il va falloir quand même que je la fasse pour avoir ça. Mais bon, ça, il va me falloir ça plus tard. Ça, il faudrait que je le fasse pour avoir la fameuse table d'enchant of Doom, mais ça coûte plutôt cher. En abeille, j'ai rien fait. Machinica, j'ai augmenté, tout simplement, hein, mais bon, voilà. J'ai pu augmenter ceci. En fait, ça permet qu'à partir d'une 25,
vous pouvez faire une 31. Voilà. Ça vous donne 25% de vis par-dessus. En énergie, j'ai quasiment rien fait. Parce que pour l'instant, j'en ai pas du tout l'utilité. J'ai ceci qui est plutôt bien. Alors, les Ward Endless, il faudrait que je reteste en créa. Mais concernant la node, je peux remettre ces blocs. Parce que au début, dans l'autre version qu'on avait, ça bouffait tous les blocs. Même les Wither, on pouvait péter les blocs là. Alors que dans la version encore précédente, la début de la 0.4 ou 0.3, ne pouvait absolument pas casser le bloc. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un fix bug et ainsi de suite. Ici, je n'ai rien trop fait non plus. Hop, ça c'est permet d'avoir des bougies qui volent. Voilà, il faudrait que je fasse ça. Mais il faudrait qu'il y ait un item en question ici que je ne trouve pas encore. Et puis ça qui viendra plus tard. Voilà. Bah, j'ai pas mal parlé, n'empêche. Hein, donc, c'est quand même assez important. Je pense que je vais devoir faire mes jars. Du coup, on va les faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 38, 40, encore 41 jars. 41 jars, ouais, c'est bien beau, mais il y a cela en fait que j'ai envie de les mettre là. Donc il va falloir que j'en vire deux. Hop. Voilà, je vire également ceci. 42 jars. Ah bah ça fait le chiffre 42. Très bien. Voilà. Alors ça, c'est la fameuse pioche que j'ai faite, bien sûr. Hein, donc, elle est chère, mais elle est efficace. Hop, je mets ça aussi et ça aussi. Voilà. Bon, ah si, j'ai oublié un côté. Voilà. Du coup, bah ça, on va le péter. Ça également, parce que ça n'a rien à faire ici. Voilà. Ouais, ça c'était pas trop obligé. Hop. Ça aussi. Voilà. Va me falloir un tout petit peu de bois. Normalement, c'est la moitié divisé par 4. Donc 7 est égal à 8. Voilà. Faut 32 du coup. Va enfin, pas m'en falloir 32 piles, hein, mais bon. Je crois qu'il m'en restera 4. Ouais. Voilà, il m'en fallait 7. J'en ai fait 8. Tant pis. Hein. Pire. Hop, stick, ça marche bien. Ici, là-haut, il m'en manque un. Voilà. Bah, c'était le dernier qui est resté pour ça en fait. Tant pis. Ici. Voilà. Évidemment, ça ne va pas dans le sens que je veux. Évidemment, je peux pas les enlever, c'est vrai. Voilà. C'est des piliers à renvoyer, ça. Également ici. Et également là. Voilà. Je mets les cubes de stone qui permettra justement de faire ça. Ici, normalement, il y a un pilier. Alors, je récupère tout le bois parce que c'est quand même assez chiant à trouver.
Malgré que c'est plutôt rapide, mais disons que c'est chiant. Parce qu'il faudrait que je me fasse la lumber axe de Tinker qui me permettra justement de tout couper le bois d'un coup à partir d'un tronc. Voilà. Voilà. Du coup, bah ça c'est bon, ça c'est bon. Les torches, je les mettrai en dessous. C'est ça que je dois récupérer. Voilà, 1, 2, 3, 4. Alors, bien sûr, ceux-là, je les mets là, du coup. Voilà. On fait ça là. Ça n'a fait nos 4. Hop, hop. Hop. Et puis. Ah bah je savais bien que celle du milieu, il fallait que je la laisse. C'est moi qui me suis gouré. C'est pas très grave. Donc du coup, ah oui, c'est vrai qu'avec cette pioche, quand on tape du minerai, en fait, ça le cuit. Voilà, c'est plutôt un avantage. Deux torches qui ne sont pas correctement bien faites. Sachant que ça c'est le centre. Un là. Un là. Oui, je suis très symétrique. Qui n'est pas symétrique dans Minecraft, hein? Bill était pas symétrique au début. Il était très symétrique au début, non? Et puis bah, il a dû changer pour donner un petit peu de parcimonie à tout ça. Donc on va remonter. On va faire ce qu'il faut là-haut. Forcément, bah ici ça risque de spawner, mais avec les jars, ça va plus du tout spawner. Voilà. C'est quand même nettement plus beau. On compte bien 3 et 3, 6, 7. 3 et 3, 6, 7. Voilà, c'est bien. Et du coup, pour là, je peux rebouger comme c'était avant. Voilà. Ça fait quand même plutôt beau. Du coup, on va faire nos jars. Hein. Donc, on en a bien dit qu'il en fallait 42. Hop, je transforme juste le bouton pour YOLO. Certus, machin, je crois pas que j'ai scanné d'ailleurs. Ouais, je l'ai scanné. Hop, on remonte. Alors, ici c'est bien beau. On va poser un petit peu tout le bordel sauf ceci. Ça, et puis bah, le copper, je l'ai pas scanné d'ailleurs. Voilà, j'ai scanné mon petit copper. On voit notre réseau Applied. On pose ça et ça. Glace. On va nous en falloir quand même plutôt pas mal. Parce que c'est quand même par coup de 5. Et il nous faut des slabs de bois. Donc on va en faire une centaine. Même s'il en faut pas 100. S'il en faut une par jar. Donc ça veut dire 42. Voilà. Mais bon, dans le principe, je fais ce qu'il faut. 42. Voilà. Donc, maintenant que nous avons ceci, un peu ceci, il va falloir, à partir de madame, et de madame, parce que je m'en suis fait deux, oui, parce que sinon c'est pas drôle. Déjà, je vais en faire pour 42. Encore 10.
Voilà. Hop, 64. 28, c'est cool. 32, c'est cool. 49. 42. 42. Voilà, 42. Et 42. Voilà. Donc ça nous demande de mettre un seul comme ça. Cependant, c'est pour ça que j'ai bien dit cependant, on va faire à partir de laine et de string, on va faire notre petite armure quand même. Parce que, bah, tout simplement, c'est que j'ai pas envie que ça me coûte un bras en fait à chaque fois de recharger ma. Bah, si, c'est bon. C'était ça que je voulais avec de faire. Ah. Et puis sans doute l'autre, je vais pas. Ah si, c'est bon. Voilà. Tac. L'armor stand. Ah, stone slab, on peut pas. Ah, je pensais qu'on pouvait la stone slab. Donc ça c'est bah voilà. On va foutre ça là. Voilà, ça fait 6 de fer. Tac, 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 tac. Voilà, déjà on se voit un petit peu le plus nu. On va devoir faire notre. Justement. Une armure qui est de Tomcraft, hein, naturellement. Alors après, par contre, je ne sais pas si c'est possible de la faire maintenant. Normalement, si on peut la faire, ça, il n'y a pas de souci. Stringue. Ouais, j'ai des stringues. En plus, on peut en crafter. Geronimo. Voilà, c'est quand même mieux quand il y a ce qu'il faut quand même. Hop. Ah oui, c'est vrai. Je prends des dégâts. On va ici. On va faire une armure complète. Une armure complète, 8 et 7, 15 et 4, 19 et 5, 24. Il me faut 24 comme ça. Tac, tac. Donc ça en fait 16. Ça en fait 27. Donc ça en donne un de chaque. Sachant qu'il en faut 27, il va commencer à me dire de la merde, voilà. Parce qu'il va falloir que je la recharge en aqua. Donc ça, il n'y a pas de souci, je la rechargerai après. Celle-là aussi, voilà. Maintenant, elle est plus qu'à 33. C'est cool. On va faire notre armure. Oh là là. 5. Plus 5. Plus 3. Plus. Plus rien du tout en fait. J'en ai fait un peu trop. C'est pas très grave. 1, 2, 3. Waouh, c'est super beau. Et j'ai ma Google of Revealing. Oh, c'est tout à fait beau. Cependant, ça, je vais le scanner. Voilà. Ça me permet justement de récupérer des aspects. Voilà. Donc ça, j'ai récupéré. Ça, j'ai récupéré. J'ai quand même beau. Et puis ça, je récupère. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir recontinuer dedans. Hop. Hop. Je vais en foutre. Hop. Voilà. Alors, maintenant que nous avons 5 de discount, 2 ici, 2 là et 1 là, maintenant ça nous coûte plus que 9. Avant, ça nous coûtait 1. Ok. C'est que 2% certes, mais bon, on va dire que c'est toujours 2% de ce qu'il y avait à la base. Alors, en aqua, je vais pouvoir en faire que... Ah bah 42. Ah non, 31. Je me disais, mais merde, je sais pas compter ou quoi. Donc, pour ça, j'en ai plus besoin. Et celle-là, bah, il va me dire insuffisant, c'est tout à fait normal. Donc ça va être deux baguettes à recharger à part la suite. Donc, pour ça, il n'y a aucun souci. Cependant, je vais faire un truc qui est assez nécessaire. Hop, avec la petite musique qui se lance. Donc l'épisode va être un petit peu long, mais c'est tout à fait normal.
Voilà. Alors, pourquoi je mets tout simplement ça? C'est juste en faisant Shift-Click, on récupère toute l'armure entière. Sinon, il va falloir la faire à la main. Là, c'est tout simplement pour voler et pour marcher plus vite. Voilà, tout simplement. Donc, bah ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. Il y a déjà une bonne partie en tout cas qui est. Voilà. Et puis j'ai éclairé, là-bas on voit qu'on peut spawner, mais ici on peut pas parce qu'il y a des genres. Donc ça c'est plutôt un très très bon point. Du coup, bah ça c'est bon, c'est parfait. Je terminerai moi de mon côté les autres jars. Je commencerai à les remplir en vous faisant le tuto qui va bien avec. Et puis voilà. Sur ce, messieurs, dames, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas toujours le petit pouce à la fin de la vidéo ou au début, comme ça c'est fait. Et pour moi, ça me permet de voir si vous avez aimé ou pas. Voilà. Celui vu, c'est bien beau, mais je préfère avoir des petits pouces. C'est quand même mieux. Voilà. Sur ce, bisous tout le monde, c'était P pour du Topcraft encore.